moi c'est Kwashi Douglas, a.k.a. Izzou Gone Track, a.k.a. IDOT. Je suis beatmaker et ingénieur de son togolais. Je dois dire que j'ai commencé la musique très tôt parce que mon père est pianiste. Donc déjà à l'âge de 4 ans, je touchais un peu les claviers. Et vu que mon père lui-même avait déjà un studio, j'aimais beaucoup toucher à ses appareils. Donc déjà à 6, 7 ans, je maîtrisais beaucoup. J'étais bien en informatique aussi. Donc grâce à Internet, je me suis, comment dire, plus dirigé vers le beatmaking. Beatmaking, ingénieur de son. Et là, il y a 2 ans, j'ai fait une formation chez Carlos Donclou. Donc c'est là où j'ai eu mes diplômes d'ingénieur de son. J'avais 13 ans quand j'ai enregistré un artiste. C'était Tingogogo de Nucléaire. Je l'avais enregistré, j'ai joué le beat, il a aimé, il a chanté. Donc on a fait le taf comme ça. Et après, depuis là, j'ai produit pas mal d'artistes, plusieurs, je ne peux pas compter, dont Centrinos, l'étoile montante de la musique togolaise maintenant. J'ai également produit son album, je suis son beatmaker personnel. L'année 2017, ce fut une grande révélation pour moi parce que j'ai eu la chance de travailler avec Centrinos Raphaël. Et c'est grâce à un son que je lui ai produit, Fiançailles, voilà, que je me suis révélé au public togolais en fait. Premier grand moment, c'était quand mon père m'a offert un synthé. J'étais très content. Il avait écouté une musique que j'avais faite. Il a dit, waouh, tu taffes bien, je vais t'offrir un cadeau. Il m'a offert un synthé. Après, ce fut le tour de maman qui m'a offert un PC portatif. Donc, c'était avec ces deux outils que je bidouillais un peu ma musique. Dans 5 ans, je me vois avoir une entreprise, une grosse maison de production, pas juste un studio, produire des artistes, les pousser. Quoi d'autre, une maison de production reconnue internationalement quoi. Étant donné que je suis arrangeur, mon studio est disponible pour tout type de musique, tout genre de musique, que ce soit du reggae, du dancehall, de l'R&B, du classique, tout ce que vous voulez. J'ai une large palette de sons que je peux faire. Aujourd'hui j'ai 18 ans et j'ai déjà réalisé pas mal de choses, dont l'album de Centrinos. Et aussi j'ai collaboré avec bon nombre d'artistes togolais, de grands artistes togolais. Donc je veux dire aux jeunes de croire en leurs rêves, de toujours persévérer. Et je veux aussi dire merci au staff de Centrinos, merci à mon assistant, quoi d'autre ? Remercier toute ma famille.